Bonjour tout le monde. Juste une toute petite vidéo pour vous annoncer la triste nouvelle que le très vénérable Longpong nous a quittés il y a de ça quelques jours. C'est un client du site qui m'a prévenu parce que j'étais pas en contact avec le temple du vénérable. Donc en apprenant cette nouvelle, j'ai décidé de faire quelque chose. Pour permettre au maximum de personnes qui appréciaient Longpong de pouvoir recevoir ses bénédictions. À mon dernier voyage, quand j'ai été lui rendre visite, ces moines m'ont remis du sable béni par le très vénérable Longpong. C'est du sable qui a dispersé autour des maisons ou des commerces. Tous ceux d'entre vous qui veulent en recevoir un petit sachet, il suffit de m'envoyer un timbre et votre adresse. Et je vous en enverrai un petit sachet en cadeau. Également, bon, j'ai mis sur le dans la newsletter, il y a quelques nouveautés, mais il y en a une que pour une fois je voudrais vous présenter en vrai. Beaucoup d'entre vous m'ont réclamé depuis quelques années des statues du Bouddha qui soient chargées, consacrées. Et malheureusement, c'est très difficile à se procurer parce que souvent, les temples fabriquent des statues, mais ils les bénissent, mais la statue est vide, ou parfois ils mettent quelque chose dedans, mais c'est des statues énormes, et moi je peux pas les ramener, pour des questions de poids, et également pour des questions avec la douane et le Archaeology and Fine Art Department en Thaïlande, c'est un peu compliqué. Et j'ai enfin réussi, ça fait 5 ans que je travaille sur ce projet-là. Enfin, vous voyez ces petites statues. En fait, je les ai chargées avec des substances sacrées et des reliques que j'ai récoltées ces 5 dernières années lors de voyages et de pèlerinages. Donc, si vous allez sur le site, vous verrez la liste complète de tous les ingrédients qui ont été mis dans ces statues. Ce sont des belles statues en bronze patinées avec du fil saïsine, une relique d'une tenue d'un grand maître. Du verre alchimique, un œil des nagas, une amulette Garuda, de l'os de dragon, beaucoup, beaucoup de reliques, d'amulettes, de feuilles d'arbre du Bouddha. Enfin, c'est vraiment, je suis très content d'avoir enfin réussi à finaliser ce projet. Il y a seulement 20 de ces statues. Donc, si jamais elles vous tentent, les ratez pas, parce que ça va me prendre des années à en refaire. Et avec chaque statue, est offert un rouleau de textes sacrés anciens qui ont été offerts par le vénérable Ajahn Dayne. Ça, c'est avec la statue en cadeau. Donc, et ben voilà, je vous dis à bientôt.